Salut tout le monde, c'est Saturne. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo délire sur Amnesia The Dark Descent. Et oui, enfin une vidéo de jeu, enfin oui. Oui bon, enfin bref. Donc ce n'est pas une vidéo découverte, hein, ce n'est ni une vidéo détente. C'est une vidéo délire, c'est-à-dire que, bon, on va pas forcément commencer dès le début, hein, on va commencer dans un endroit où j'étais. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Rien. Donc on peut commencer. C'est parti. Donc je risque d'avoir des petits problèmes des fois. Bon, c'est parce qu'en fait les temps de chargement disent qu'ils ne répondent pas. Mais ça c'est pas grave, gravissime. Enfin, j'espère que ça ne le fera pas. Enfin bref. Donc en fait, je vous explique. Oui, donc j'étais dans un endroit où on commençait dès le début à rencontrer des monstres. Et en fait, j'ai recommencé une campagne exprès. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Donc voilà. Donc oui, donc j'étais en train de dire que j'allais recommencer une partie parce que... ben parce que je voulais quand même que vous rencontrez, parce qu'au début on entend plein de bruits étranges, ça space, et c'est d'ailleurs justement à ce moment là, juste à cet endroit, on entend quand même des bruits spéciales. Et donc voilà, donc je m'en rappelle plus trop parce que ça fait quand même un petit bon moment que j'ai pu jouer, donc je m'en rappelle plus trop des trucs. Les fameux cafards qui vous montent à la tête. D'accord. On entend des drôles de bruit ici. Enfin. Ok. Je sais pas si vous entendez les drôles de bruit, mais c'est quand même assez space. Voyons-y. Tabularium, archive.
des escaliers qui mènent nulle part. Bon, c'est quand j'ai stoppé le logiciel que ça l'a fait. Déjà. Non. Allez, j'ai mal de tête. Boire. Je vais prendre de l'huile, pas boire. Ferme les portes, hein, mais... Alors... Il me semble qu'ils n'ont pas d'oreilles, je crois, ceux qu'on rencontre. Et qu'ils peuvent que nous voir, et qu'ils peuvent que savoir où on est s'ils nous voient. Et c'est-à-dire qu'on peut marcher à côté, ils ne sauront pas. Mais... Au moins, ce que je crois, je peux me tromper. Voilà... C'est quoi, ça? Des livres? Une lettre! Je vous laisse lire. Oulala, j'ai du mal à fermer les portes et ouvrir les portes déjà, moi, donc Bon. Désolé pour les petits bugs que j'ai. Les livres... Non, pas ça. Ah. Doucement. Sixteenth of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Et donc je vous ai laissé écouter et lire parce qu'en fait c'était la première partie du truc, donc au pire juste de faire sûrement la suite, sûrement je sais pas encore. Enfin. C'est pour ça que je laisse un peu, que je laisse lire. Donc je vais sûrement faire des parties en fait. J'ouvre ! Merde ! Y'a rien. Ici, y'a quoi ?
Wow! Un piano! Y'a quoi ici? Une boîte à madou? Ah! C'est mignon! Caisse! Putain, il est vachement fort pour porter une caisse comme ça. Caisse! Ah, oh, je l'ai cassé, ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Monsieur, j'entends votre piano jouer! C'est quoi ce bordel? Bon, au pire. Y'a quoi ici? Y'a rien. Y'a rien. Ça ne veut pas s'ouvrir, c'est fermé à clé. Merde! Memento, oui, la porte ménage dans l'histoire locale est verrouillée. Y a-t-il une autre entrée? Y a-t-il une autre? Sorti. Merde, c'est que la touche. Ah. Y'a du soleil? Y'a personne. Oh. Ah, si vous avez entendu, moi je me mets ça en tout cas. La poussière. Wow. De toute façon, il y a une musique stressante quand il y a un monstre, donc là, au pire... Je me rappelle même plus quand on rencontre notre premier monstre, donc au pire... Je m'en fous un peu, hein. Bon, bon, bon... Je sais même plus où le toucher pour sprinter, du coup... De la poussière! Bon... Oui, bah, arrête de stresser, c'est bon, la tête de bord d'explosion. Elle souffle un peu, non? Vie comme de l'eau de roche, enfin. Tiens, je t'allume une lumière, elle souffle. Bon, tu t'es calmé? Non, je sais pas. Calme-toi! Je veux pas user de l'huile, merde. Bon, elle s'est calmée, Luna? Même pas. Mais tu es nul! Peureux, chuchote. Il y a tellement pire que tu te cognes contre ça, V. Ma maman. Bon. Piano. Ding. Allez, je marche. Derrière moi, non? Non? Qu'est-ce que c'était, ce bruit? Je me cache. Alors. Ah! Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it.
flash. Ce qui est dommage, qu'on veut pas allumer les bougies qui sont en hauteur. Après, j'ai eu des petits lags, mais. Coffre! Allez! Monsieur, j'ai dit quoi de canon, je suis tout seul, merde! Allô, docteur? Je suis en stress. Of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage... Blah, blah, blah. I was trapped. Blah, blah, blah. Oui. Donc. Il me semblait, dans mes souvenirs, il me semblait qu'il y avait une... petite scène ici. Oh mon dieu! Memento! La porte menant à la chambre d'histoire locale est verrouillée. Y a-t-il un espace à vous? Devez trouver un autre chemin en dehors de cette zone. D'accord. Cafard! Viens là! Ça l'a pris! Le piano! Il a joué tout seul, regardez. Ah, pour pas qu'il joue tout seul, viens. C'est la chaise qui a joué. Pouvoir du livre. Merde. Pouvoir du livre. Bon. Vous vous rendez quand même compte qu'un livre, ce que ça fait. C'est impressionnant. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. C'est ça le mécanisme, si je m'en rappelle bien. Le troisième, il est là. Ok. Oh, mortel, je sais pas. Alors ça, je savais pas.
peu sur ce soir. Une lettre. Deux secondes. Je sais pas lire en plus. J'ai dit je sais pas lire. Je lis. Oui, bref. Oh! Merde. Oh my god! Ça, par contre, je m'en rappelle. Ça, ce sera toujours le fameux monstre avant le tuto, hein. Ça... J'arrive même plus à parler, s'il vous plaît. Oh, j'arrive même plus à sprinter tellement qu'il était stressé, mon bonhomme. Wow. Et j'attends. Monsieur! Non, mais je vais quand même pas répondre. Hein. C'est là où j'ouvre, il est là. Non, allez. Oh putain. Fuck. Ah non! Oh putain, je crois que c'était lui, hein. Oh. Wow. Bon, je vais pas vous dire à quoi ressemblent ces monstres, c'est trop moche. J'entends le bruit des grognements, là. Je sais pas, je continue avec vous ou pas? Bon, allez, je suis pas une chouchotte. Je sais pas, je le sais ou je le sais pas. Je danse. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, j'arrête. 3, 2, 1. Samouraï. Non, désolé, Bob Lennon. Ah mais en fait il a pas cassé la porte, il a défoncé la porte. Putain. En fait la clé elle m'a servi à rien. C'est quoi ça? Ma foi. Une lettre, non? Je sais pas. Coffre. Là, je me retourne. Ah! Bon. Maman. Je prends mon ami la chaise. Putain, trop fort le mec. Putain, j'ai eu peur d'une bougie. J'ai oublié de refermer la porte derrière moi. Oh putain! Il va falloir que je passe par le hall, manquez plus que ça, tiens. Ça m'énerve. J'ai de l'huile? Oui. Il me disait quoi non? On a mis la chaise. Oh d'accord. J'arrive pas à l'ouvrir. Seul bruit de chaise.
Est-ce que vous entendez le bruit? Bon, on y va. Je sais pas si vous avez entendu. Oh. C'est une bonne nouvelle, non? Bonsoir, l'armoire. On se retrouve, hein. Alors, je suis content de te revoir, l'armoire. Bon, enfin bref. Le mec de l'autre côté de l'armoire, il doit se dire, mais c'est quoi ce bruit? Je suis coincé, s'il vous plaît! Ah, il m'a bloqué! Je veux pas mourir! Maman, froid. Ce jeu, c'est tout simplement le jeu le plus flippant pour moi! Ah, l'armoire, ferme. Y'a quelqu'un? Eh oh. Messieurs, dames. Bref. Au pire, si on doit mourir, on meurt. Non? Pas ça? Ah, oh, je sais pas. Wow, je sens que je vais me trucider, je sens. Il y a un truc qui tombe pas, c'est pourquoi? Est-ce qu'elle veut s'ouvrir la porte? Oh shit! Manquait plus que ça! J'ai envie d'ouvrir la porte de côté parce que. La tête des monstres, c'est impressionnant quoi. Dès que vous entendez le bruit, rien que le bruit, ça vous fait stresser. C'est bon, t'as de la lumière là. Il me semble que j'avais entendu le toit s'écrouler la première fois que j'avais joué. Qu'ensuite j'avais entendu le monstre. Après. Tiens, il y a personne, hein? Non? Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Non, je rigole. Attendez, putain de merde. Ouais. J'y vais. Pourtant, le piano, il est fermé! Ah, je suis en mode excitation là. Oh, la toile d'araignée, quand elle m'a fait hyper flipper. Pouah. Je suis en mode flippant.
Bon. Non, je déconne, c'est moi qui l'a fait. Est-ce qu'on peut... Je veux juste tester un truc. Je sais pas si à partir d'ici on peut, mais... Juste là pour essayer. Oh non! On peut le faire que sur les vides cassées. C'est des vides blindées. Je peux l'allumer. Non, il y a des toiles d'araignée, donc en plus il n'y a rien dedans, donc. Bon. Je sais pas si vous avez entendu ce bruit. Mais moi, je me recache dans l'armoire. Donc, mais on peut même pas les tuer en plus, c'est ça qui est dommage quoi. J'espère qu'ils vont créer un autre amnésia, du moins, j'aimerais bien. Mais ce coup-ci avec des armes, parce que c'est bien de se cacher, mais bon, c'est chiant quoi, parce que c'est plus simple à crever. En plus, les monstres, je me rappelle quand j'en avais vu un. Les monstres sont 1000 fois plus rapides que toi, c'est-à-dire que si tu sprints, ils sont 1000 fois plus rapides que toi. Et donc en gros, tu peux crever. Si jamais ils te voient, t'es dans la merde. Et si jamais ils te voient en te cachant, t'es dans la merde aussi. Ils devraient mettre des armes, c'est dommage. Je sais même pas à combien de minutes on est, mais je crois que je vais faire une deuxième partie d'Amnésia, non ? Allez, on se quitte sur cette belle armoire. Vide, pardon, excusez-moi. J'ai eu une coupure de micro. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Allez, ciao! Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Je vous aime. Bisous. Ah, au fait, abonne-toi si tu le souhaites. Allez, ciao.